Salut à tous, c'est Catherine. J'espère que vous allez bien. J'ai quelque chose dans ma poche. J'ai des gouttes dans ma poche. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester du Lise Wattier. Je vous le dis tout de suite, c'était pas supposé être cette palette-là que j'étais supposée tester, en fait. Pendant ce temps-là, je vais l'ouvrir. C'était supposé être un coffret à 60 $ d'eux autres, mais finalement, ben en fait, je pensais qu'il était à 50 $. J'avais vu qu'il était à 50 $, mais finalement, il est à 60 $ et il est en plus en limité. Donc, je me suis dit que j'aimais mieux prendre la palette, que ça fait seulement 2 semaines. Elle est tellement belle. Oh, c'est tellement beau leur logo, là. Ok, je sais bien que c'est juste un W, mais il est beau, ok, là. Moi, je le trouve beau, en tout cas. Donc, le temps que je fasse la vidéo, que tout le monde écoute et tout, je savais pas combien de temps que ça allait être parti, en fait, si vous alliez avoir vraiment le temps de vous. Ça fait que c'est pour ça que je me suis envoyée vers la nouvelle là. Donc là, je vais arrêter de vous la montrer avec le boîtier seulement, là, puis je vais vous la montrer à 100%. Donc, ah, ok, elle vient avec un petit cool. Ah, c'est dommage fun. Comme je peux comprendre, ils montrent vraiment comment faire certains maquillages selon la palette qu'on a décidé de prendre. Selon cette couleur-là, en arrière, il y a ce maquillage-là qu'on peut faire. C'est la même affaire pour chacun. En tout cas, c'est vraiment super, mais je me rappelle vraiment plus c'est quoi que je me suis acheté. Comment ça s'ouvre? C'est juste aimanté. J'allais du mauvais bord. C'est sûr que quand on n'est pas du bon bord, ça ouvre pas très bien. Hein? Non. Ok, on va aller du bon bord. Donc, c'est celle-ci que j'ai pris. De bord, dans ce cas-là, si c'est ça, ça serait donc la couleur, les 6 couleurs French Trench. La palette French Trench. French Trench. C'est laquelle, le French Trench? Évidemment, c'est la dernière dans le paquet, hein? Donc, je vais essayer de faire le maquillage que eux autres, ils nous disent de faire. Donc, celui-ci. Fait que, c'est ce que je vais faire. Ok, la première chose que je vois, par contre, c'est qu'elle a déjà du crayon noir et de l'eyeliner. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ok, mon Dieu, c'est la première fois, je pense, que je fais aussi bien mon trait d'eyeliner. Mais bon, maintenant que ça c'est fait, je vais maintenant commencer à faire finalement le maquillage. Il est rendu 1 h 30. J'ai vraiment beaucoup l'organisation du temps, c'est incroyable. Donc, ça dit appliquer la nuance 3 sous le sourcil ainsi qu'au coin interne de l'œil. Donc, la nuance 3, c'est celle-là si je vais avec eux autres, celle-ci. Ensuite, il faut appliquer la nuance 2 sur la paupière mobile pour l'illuminer. Ah, ben non. Waouh, elle est vraiment belle cette couleur-là. Oh, que je trouve ça très très beau. Waouh. Je vais juste essayer de la monter un petit peu quand même parce que j'ai quand même envie qu'on la voie un petit peu dans mon regard quand on me regarde dans les yeux. Ok, donc maintenant, je suis rendue à souligner mon creux de paupière avec cette couleur-ci. Là, c'est là que mon problème vient réalité. En fait, je vais y aller avec le petit embout comme ça pour essayer de me l'inventer, là. Ok, une fois que ça c'est fait, intensifier le coin extérieur de la paupière mobile grâce à la nuance 4. Donc, ma nuance 4, c'est donc celle-ci. Là, j'adore cette palette-là, sincèrement, là. C'est un petit bijou à date pour moi, ça.
j'ai quand même pas mal travaillé mon maquillage. Moi, je suis une personne vraiment perfectionniste, donc j'ai toujours l'impression que j'ai pas assez estompé, mais j'ai vraiment toujours cette impression-là. Parfois, j'y arrive, mais des fois, ça veut juste pas. Mais en tout cas, je pense que je me suis quand même bien débrouillée. Je suis rendue maintenant à faire la dernière étape, en fait, c'est de souligner la racine inférieure des cils à l'aide de la nuance 5. Donc, c'est avec celle-ci. Cette couleur-ci, je vais aller en bas de mon œil ici, mettre ce fard-là. Maintenant que ça c'est fait, je vais juste aller remettre la couleur numéro 1, en fait, ici. Je vais juste aller en remettre un petit peu dans mon point de lumière pour essayer d'agrandir un petit peu plus mon regard. Puis je vais aller mettre un petit peu de crayon blanc de chez Annabelle Cosmetics pour agrandir encore une fois mon regard dans le coin interne. Tout tombe. La palette se travaille merveilleusement bien. C'est vraiment plaisant de voir qu'on a un petit livret qui nous dit les maquillages qu'on peut utiliser avec cette palette-là. J'adore vraiment la technique utilisée par Alice Boitier. Je sais pas s'ils utilisent souvent cette technique-là. Je l'ai déjà vue chez eux, mais vraiment, il faut qu'ils continuent parce que c'est vraiment plaisant. Quand on sait pas trop quoi faire ni comment le faire, c'est vraiment super le fun. Donc, moi, je vais terminer ça là. Vous allez voir des photos genre maintenant qu'ils vont passer pour montrer le look que ça donne là. Et vous allez me revoir après ces photos-là à la fin de la journée que ça va être. Ou est-ce que vous allez voir comment est-ce que ça a tenu. Je vais faire un autre bout de vidéo pour vous le dire en fait. Donc je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire à part à tantôt! Donc, il est rendu maintenant 22h24. Je me suis mis ce maquillage-là. J'ai terminé de le mettre. Il était rendu 14h30. Donc, ça fait en tout un bon 8 heures que j'ai le maquillage de fait. Donc, je suis un petit peu désolée pour ce qui est de la luminosité du moment. Ça peut pas vraiment être parfait. Je vais essayer au montage que ça soit pas si pire. J'ai pas fait mes cheveux, j'ai comme rien fait, je m'en vais dans la douche, je vais me démaquiller tout, donc je me suis pas remis toute belle pour la caméra, mais je voulais faire un retour là-dessus, donc c'est ce que je fais. C'est sûr que si je regarde cet œil-là, je vois que l'ombre à paupières que j'ai mis, il est un petit peu parti. Par contre, je vois que quand même, il commence à être un petit peu fatigué. Il close un petit peu ici dans mon creux ici. Mais sinon, ça va bien. Tout ce que je vois vraiment, c'est que j'ai de l'huile, du sébum, pis c'est vraiment dégueulasse. Mais à part ça, le maquillage, c'est vraiment quelque chose de sublime. Mais c'est le temps que je me démaquille, ça va y faire du bien. Il a fait pas mal son temps, un bon 8 heures. Et vraiment, la tenue, elle est excellente. Donc le lisse-boîtier, encore une fois, est haut la main. Donc pour le reste, j'ai pas mal terminé tout ça. J'espère que ça vous a plu cette vidéo-là. J'espère que la petite palette vous a intéressé. J'espère que ça vous a donné une bonne impression de cette palette-là. Si elle vous intéresse, ça va être en barre d'infos. Le prix et le lien sur le site, tout va être en barre d'infos. Puis sinon, j'ai rien d'autre à dire, donc vous pouvez toujours liker ma vidéo si vous avez aimé ça, si vous avez trouvé qu'elle était pertinente, vous pouvez m'envoyer un commentaire, et bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook. Vous pouvez vous abonner aussi à ma page Facebook pour me suivre, mais abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. À partir de la semaine prochaine, je commence à faire le party pour fêter mes 1 an sur YouTube. Comme je dis, party, j'ai un bon
4 semaines qui s'en vient intensif, où est-ce que vraiment je vais faire des vidéos spéciaux pour mes 1 an sur YouTube, parce que j'en suis vraiment très fière. Une Saguenéenne qui parle en français, qui est à 67 abonnés et qui fait des vues environ jusqu'à 100 vues par semaine. C'est tellement des beaux chiffres. Je suis tellement contente de ça, sincèrement. Donc, je me félicite. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous, si j'en suis rendue là, ce n'est que grâce à vous. Donc, je vous remercie entièrement. Je vais encore vous remercier entièrement la semaine prochaine. Juste comme ça. Pour faire ce spécial-là, ça va être le jeudi, le 26 mai, que ça va être jour pour jour, le 1 an. Je vais sortir cette journée précise-là la vidéo pour une exception. Ça ne sera pas le vendredi soir, ça va être le jeudi que ça va sortir. Si vous voulez avoir des renseignements de plus, si vous voulez avoir un refresh, c'est sur ma page Facebook Love Makeup Cat. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour du nouveau stock. Bye bye!